Monsieur le professeur, qu'en pensez-vous de cette phrase qui ouvre le texte, qui dit, et je cite, « Le royaume de Roumanie, créé en 1866, laisse plusieurs millions de Roumains à l'extérieur du pays, notamment en Autriche-Hongrie, Bukovine, Transylvanie et en Russie, Bessarabie. » Le prince Charles de Hohenzollern-Sigmaringen est arrivé en 1866 dans les Principautés Unies, appelé par la suite la Roumanie, puis 1866 jusqu'à 1881, il a dirigé les affaires du pays qui était dépendant de la porte ottomane en tant que prince régnant. Quand la Roumanie a gagné l'indépendance après la guerre contre la Turquie aux côtés de la Russie, 1877-1878, ayant l'indépendance, on a pu instituer, proclamer le royaume et Charles devient roi. Et c'était d'ailleurs pas en 1866, comme vous avez bien souligné, c'était quelle année? C'était 1881. Est-ce qu'il y a aussi d'autres erreurs de chronologie ou des erreurs factuelles qu'on peut rencontrer dans ce texte? Et voilà, évidemment. Quelque part, il est dit dans le texte que la Roumanie serait rentrée dans la Grande Guerre le 31 octobre 1918. C'est faux. La Roumanie reprend les armes le 10 novembre 1918. La Roumanie avait conclu en 1916, le 17 août, un traité avec l'Entente, dans lequel il était mentionné que on ne ferait pas la paix que conjointement et concomitamment, et que la Roumanie était considérée alliée des grandes puissances, ayant, après la guerre, une position égale à ces grandes puissances à la conférence de la paix. Mais en signant la paix avec les puissances centrales le 7 mai, 1918, la Roumanie a perdu ses qualités garanties par ce traité d'alliance, car il était devenu caduc. Elle devait rentrer en guerre pour pouvoir redevenir alliée. Pour compléter ce que j'ai dit concernant la rentrée en guerre de la Roumanie, je dois mentionner que la nuit du 9 novembre 1918, le gouvernement roumain adresse un ultimatum au commandement allemand de Roumanie en demandant que les troupes allemandes soient retirées. Et le 10 novembre, le gouvernement roumain déclare la guerre à l'Allemagne. Comment alors aurait-elle pu la Roumanie entrer en guerre de nouveau le 31 octobre 1918. Évidemment, donc, il ne s'agit pas d'une dénonciation du traité de la paix de Bucarest le 31 octobre. Et la Roumanie ne pouvait pas faire autrement que rentrer en guerre en novembre parce qu'il fallait tenir compte du contexte militaire et international des Balkans et de l'Europe centrale. Que se passe-t-il au début de novembre du point de vue des mouvements des troupes militaires? Les Alliés avaient envoyé dans les Balkans une armée qu'on a appelée par la suite l'armée du Danube, qui était commandée par le fameux général Henri Berthiolo, qui avait organisé en Roumanie l'armée roumaine après les défaites de 1916 et réarmé l'armée roumaine, qui était pour les Balkans subordonné au général commandant des troupes alliées d'Orient, Franchet et Perret. Quand les Français et les Anglais ont approché le Danube, le général Berthiolo a lancé un appel aux Roumains pour reprendre les armes. Cela a été fait le 9 novembre. Donc, 1918.
1918, évidemment, en l'absence de la présence des Alliés, ça aurait été extrêmement difficile et dangereux que de demander aux Allemands de quitter le pays. Donc le 31 octobre, c'est beaucoup trop tôt pour faire ce geste, rentrer en guerre. Je ne sais pas d'où est apparue cette date de 31 octobre comme la date de la rentrée de la Roumanie dans la guerre. Elle n'est pas exacte, elle est... c'est faux. Voilà. Et, tandis que les Roumains et le gouvernement de Bucarest rentraient officiellement en guerre, que se passait-il en Transylvanie du côté des Roumains de l'Empire de l'Autriche-Hongrie à l'époque, fin octobre, début novembre? Le 18 octobre 1918, dans le Parlement de Budapest, le député Alexandru Vaida Voevod, membre du Parti national roumain, a présenté la déclaration des Roumains de se séparer de la Hongrie sur la base du droit à l'autodétermination. Les armées roumaines sont entrées en Transylvanie en conformité avec les décisions prises à Belgrade le 13 novembre 1918 pour occuper la ligne de démarcation entre les armées roumaines et hongroises, ligne établie par la convention militaire signée à cette date-là par le gouvernement hongrois et le général Louis Franchet d'Épéré, le commandant des armées alliées d'Orient. Il est dit là que les Roumains sont entrés en Transylvanie sans résistance majeure. Tout à fait. Et il n'y a pas eu de résistance du tout parce qu'ils ont pénétré en Transylvanie, à commencer vers la fin du mois de novembre, sur la base de cette convention militaire. Et ensuite, ici, le texte parle également d'une déclaration de Novgorod ou Oradea. Alors ça, c'est quelque chose de différent de ce qui se passe à Budapest? Tout à fait. Vous pouvez éclairer ce petit sujet? C'est que, pour nous, ce qui est important, c'est la déclaration que les Roumains ont présentée au Parlement hongrois de séparation de la Hongrie sur la base du droit à l'autodétermination. Et cela a été fait le 18 octobre 1918 à Budapest. À Budapest, par Oradea. Oui, dans le cadre du Parti national. Oui. Donc, le processus d'union des anciennes provinces de l'Empire de l'Autriche-Hongrie avec le Royaume de Roumanie était en pleine marche en novembre et décembre 1918. Et d'ailleurs, on connaît bien le moment, le 1er décembre, du rassemblement d'Alba Iulia, qui proclame l'union de la Transylvanie avec le Royaume de Roumanie. Ce qui est étonnant, c'est que ce texte parle que, je cite, « Les organisations roumaines de Transylvanie déclarent leur union avec le Royaume de Roumanie ». Fin de citation. Parce que les représentants des Roumains, ce n'étaient pas les représentants que de certaines organisations. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous? C'est inexact parce que le vote pour l'union de la Transylvanie à la Roumanie a été donné par les représentants de toutes les localités, de toutes les institutions, de toutes les associations de Transylvanie qui, à Alba Iulia, ont voté pour l'Union. Ce n'est pas seulement certaines organisations, c'était une assemblée nationale. C'est ça la chose la plus importante. Et puis, il y a là un texte, auriez-vous la gentillesse de le citer? L'auteur dit que, et je cite, « La Roumanie a été conviée comme vainqueur à la table des négociations à Versailles », ce qui est une autre petite inexactitude qu'on doit nuancer. On doit s'y prendre avec prudence et des nuances. La Roumanie avait été considérée dans le traité du 17 août 1916 comme égale aux grandes puissances avec lesquelles elle avait signé le traité d'alliance. Et cela lui aurait donné, après la guerre, pendant la conférence de la paix, une position égale à la table de la conférence. Mais
Étant donné le traité que j'ai déjà mentionné, signé par la Roumanie le 7 mai 1918 avec les puissances centrales à Bucarest, et que le traité de 1916 est rendu caduc, elle a perdu cette chance d'être considérée parmi les grands vainqueurs. Et à la conférence de la paix, la Roumanie s'est présentée comme puissance redevenue alliée, avec les petites puissances qui étaient à la conférence, Belgique, Serbie, Grèce. Donc, être considéré comme vainqueur, c'est vrai, mais dans le sens qu'elle était parmi les vainqueurs, et elle ne faisait pas partie du groupe des grands vainqueurs. Ensuite, vous avez là un texte. En parlant de Versailles exactement, qui peut semer un peu de confusion parce que c'est dit ici que, je cite, la Roumanie obtient de l'Empire austro-hongrois le territoire de la Transylvanie peuplée de Hongrois. Point. Fin de citation. Là, il faut aussi un peu élargir et contextualiser cette affirmation. Ce que l'auteur ne fait pas d'ailleurs. D'abord, à la conférence de la paix, qui ne faisait pas de cadeaux, la Roumanie ne devait pas obtenir des territoires parce que cela avait été voté par la Grande Assemblée nationale d'Alba Iulia. D'un autre côté, elle ne pouvait pas obtenir des territoires de l'Empire austro-hongrois qui n'existait plus à ce moment-là. Il avait disparu comme état. La Hongrie s'était déclarée indépendante. Mais ce qui est plus important, c'est que si on connaît ces territoires, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, de l'auteur du texte, on sait bien qu'ils étaient peuplés par des Roumains en grande majorité. Si on lit ce texte et si on prend à la lettre ce qu'il y a là, on pourrait s'imaginer qu'il n'y avait que des Hongrois dans les parages et que la Roumanie aurait accaparé des territoires où il n'y avait pas de Romains. La conférence n'a fait qu'entériner les décisions de l'Assemblée nationale de la Transylvanie. Ces territoires étaient habités par des Roumains en majorité d'après le recensement fait par des autorités hongroises en 1910. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce recensement de 1910 et sur la base des circonscriptions électorales de 1910 qu'on a choisi les délégués roumains qui ont été présents à l'Assemblée d'Alba Iulia, ceux qui ont voté l'union de la Transylvanie avec la Roumanie. Exactement. Et suite à la fin du texte, la plus étonnante énormité, je cite, « Après un coup d'État du roi Ferdinand en 1920, la monarchie constitutionnelle prend un virage plus conservateur, autoritaire et nationaliste, le rejet des réformes sociales, l'antisémitisme et l'antimagyarisme encourageant les conflits sociaux et ethniques. » Cette phrase est aberrante et tendancieuse parce que le roi Ferdinand n'a jamais fait de coup d'État. Il ne s'est jamais prêté à en organiser. Deuxièmement, l'État roumain n'est pas devenu plus conservateur et nationaliste. La Roumanie a voté une constitution avancée pour ce temps-là, garantissant à tous les citoyens tous les droits civiques, toutes les libertés d'un pays démocratique. Vous parlez de la constitution de 1923, n'est-ce pas? Oui. L'État roumain a légiféré le suffrage universel pour l'homme, la liberté religieuse, d'association, d'expression,
la naturalisation des Juifs. Toujours dans la Constitution de 1923. Oui. Après 1919, l'État romain n'a pas entravé les activités économiques, politiques et religieuses des minorités. L'État entretenait les écoles où l'enseignement se faisait en langue minoritaire. Évidemment, tout n'a pu être fait, mais les observateurs de la Société des Nations qui sont venus en Roumanie, invités par l'État roumain, ont constaté sur le terrain que le gouvernement roumain n'a pas oublié les engagements de Versailles, contrairement à ce qui est dit dans ce texte. L'État roumain a fait des efforts économiques, voire une réforme agraire radicale. Toutes les grandes propriétés ont été soumises à l'expropriation pour la réforme, sans distinction nationale, et tous les paysans de toutes les nationalités ont reçu de la terre, sans discrimination aucune. Donc il ne pouvait pas s'agir des conflits sociaux et ethniques. L'État roumain n'a pas encouragé l'antisémitisme, l'antimagarisme. Les Hongrois, les Juifs avaient des partis politiques et ils avaient des membres dans le Parlement. Les prélats de toutes les confessions et religions reconnues étaient membres du Sénat. L'État roumain était loin d'encourager les conflits sociaux et ethniques. C'est une affirmation trop générale. C'est une affirmation aberrante, à mon avis. Et je disais tout à l'heure que la Roumanie n'avait pas oublié les engagements pris à Versailles, même si tout n'a pas été fait. Les experts de la Société des Nations ont parcouru le territoire de la Roumanie, de la Transylvanie surtout, et ont parlé à des gens, instituteurs, prêtres, prélats, paysans, et ont constaté que bien des choses avaient été faites pour les minorités. Par exemple, si on parle de l'enseignement, Lord Cecil, qui était le chef du groupe de Troyes à la Société des Nations, qui devait s'occuper des plaintes, des requêtes, des réclamations des minorités, les Hongrois avaient inondé la Société des Nations de plaintes, a écrit à cet égard au ministre roumain des Affaires étrangères, Duca. Je cite, « Dans une question très difficile, le gouvernement roumain a manifesté le désir le plus sincère et le plus louable de satisfaire à ce que demandent la justice et l'humanité. » Ce qui en dit long sur la façon dont l'État roumain avait collaboré avec la Société des Nations dans le problème des minorités de Roumanie. Alors, quelle est votre conclusion après avoir, disons, lu et discuté ce texte avec tellement d'attention? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'image de la Roumanie? Comme elle apparaît dans ce texte? On a ici une suite d'erreurs et de fausses interprétations tendancieuses, contraires à la vérité historique. Je vous remercie pour cette intervention. Je crois aussi qu'il fallait réagir à un texte qui fait des erreurs, fait des confusions historiques qui ne devraient pas apparaître dans un tel catalogue, dans un tel document. Oui, le royaume de Roumanie n'a pas été créé en 1866. La Roumanie n'est pas rentrée dans la Grande Guerre le 31 octobre 1918. La Roumanie n'a pas obtenu, si vous voulez, comme il dit, des territoires de l'Empire austro-hongrois qui n'existait plus, habité de Hongrois, peut-être
On voit aussi, ça c'est vrai. Et la Roumanie n'a pas fait une politique anti-magyar, anti-juive, et n'a pas refusé d'aborder le problème social, n'a pas usé de coup d'État, soi-disant coup d'État du roi Ferdinand. La Roumanie est caractérisée par la Constitution de 1823, par la réforme agraire, par la vie parlementaire, ce qui se passe ensuite, nous on parle des années 1918-1923. Ce qui se passe après, c'est une autre histoire. Merci.